On va commencer dans... Bonjour déjà à tous. On va commencer dans quelques secondes, le temps que les photographes trouvent leur place et position pour travailler. Ne pas trop gêner aussi le travail des cadreurs, parce que nous sommes en direct sur les réseaux de l'UPU, donc regardez à travers le monde entier, ce qui permettra d'amplifier le discours de notre invité de ce matin. Bien, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Nous sommes heureux de recevoir ici notre troisième invité de la semaine depuis l'ouverture de ce centre de presse. C'est l'ambassadeur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, qui est donc notre invité et qui répondra à vos questions. Il va introduire la science par un propos introductif. Et ensuite, il sera ouvert à toutes vos questions en rapport, j'insiste, en rapport avec le 27e congrès de l'UPU à Abidjan. Excellence, nous sommes très honorés de vous recevoir. On sait que les travaux ont débuté, que les agendas sont vraiment difficiles parfois à aménager pour trouver du temps, mais vous avez trouvé du temps pour venir parler à vos amis de la presse. Et nous apprécions vraiment votre disponibilité, votre présence ce matin ici. Donc, le micro est à vous et les journalistes sont face à vous pour vous écouter, ensuite vous interroger. Merci beaucoup, Excellence. Merci, Monsieur Toussaint. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui, de partager avec vous ce moment, qui est, bien sûr, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, qui se tient bien heureusement à Abidjan. Et nous y participons. J'ai l'honneur et le plaisir d'être chef de délégation du Royaume du Maroc avec un certain nombre de cadres, de très hauts cadres du Maroc, de ministères, des postes au Maroc. Et donc nous sommes là pour participer, apporter notre contribution à l'évolution du monde de la poste et de son rayonnement à l'échelle internationale et dans tous les pays respectifs, surtout dans le cadre de la politique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour concernant la coopération Sud-Sud. Et comme vous le savez, nous avons d'excellentes relations avec la République de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour échanger ensemble. Donc je ne vais pas vous entretenir trop longtemps, mais je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, Excellence. Je suis Stéphane Betti, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Les 192 pays membres de l'Union postale universelle tiennent en ce moment à Abidjan un congrès pour préparer l'avenir postal du secteur, l'avenir du secteur postal. Pour la seconde fois de son histoire, cette organisation mondiale tient ce congrès en Afrique. Que représente pour vous la tenue de ce congrès au continent africain? Merci pour cette excellente question. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire organise ce congrès en 2021. Il aurait dû être tenu beaucoup plus tôt, mais pour des questions diverses, il n'a pas pu l'être. Mais aujourd'hui, c'est une réalité en terre des Burnies et c'est un plaisir pour tous les Africains dont nous faisons partie, bien évidemment. La première fois était en 1934 en Égypte et aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la première fois qu'il se tient en Afrique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a fait des pas de géant depuis 2011. La Côte d'Ivoire a repris sa place parmi les grandes nations d'Afrique. Et aujourd'hui, la reconnaissance de la communauté internationale se manifeste par cette organisation de l'Union postale universelle à Abidjan. La Côte d'Ivoire a déjà organisé de grands événements depuis un certain nombre d'années. Je pense aux Jeux de la Francophonie, sommet de l'OCI, le sommet UE. Afrique, qui a tenu toutes ses promesses donc en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est coutumière des réussites de ces grandes messes internationales et on s'en félicite et on y participe avec beaucoup de plaisir. Bonjour, Excellence. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Wilfried Dembélé pour la Voix de la Diaspora. Alors, par contre, moi, j'ai deux questions. Ma première question, c'est que ce congrès entend digitaliser la poste. Quel impact
auront ces aspirations de l'Union postale universelle sur le développement des activités postales pour le royaume chérifien. Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est que le Maroc et la Côte d'Ivoire ont de très bonnes relations. Le Maroc a notamment investi énormément en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cet investissement représente? Qu'est-ce que la Poste représente dans ces investissements et dans la digitalisation numérique dans notre pays? Merci. Alors, pour votre première question, merci pour ces questions. Donc, la question première, c'est la digitalisation. Comme vous le savez, la Poste d'antan, la Poste des années 40, 60, etc., a disparu, quasiment disparu. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau concept, dans un nouveau paradigme mondial concernant la Poste. Et les organismes postaux classiques traditionnels ont dû évoluer avec le temps, comme il se doit. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, qui est une réalité avec l'avènement de l'Internet à la fin du siècle dernier, est devenue une nécessité absolue, incontournable. Donc, il est certain que les entreprises ou les postes classiques qui doivent se développer, et l'UPU a joué un rôle majeur depuis les différents congrès qui ont été tenus pour inciter les différents organismes étatiques ou privés, qui sont devenus privés par la suite, comme il s'est agi au Maroc. Et donc aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont performantes, qui sont dans l'air du temps, qui ont permis au pays et à leurs pays respectifs de développer un service postal. Le service postal est fondamental, certains disent universel, mais l'universalité dépend que de la qualité des services. Aujourd'hui, la poste classique n'existe presque plus. C'est les courriers, bien sûr, le courrier classique qui est encore distribué de façon traditionnelle, mais bien sûr, tout le travail en amont et les flux logistiques sont gérés de façon digitale, informatique, à travers les pays et à travers le monde. Il s'agit aussi de montrer que la poste peut évoluer avec les colis, le transport de colis avec des entreprises spécialisées et performantes dans les flux logistiques, mais aussi avec tout ce qui est service particulier aux entreprises et aux privés pour permettre d'accompagner l'évolution du siècle en termes de digitalisation et de développement de nouveaux métiers qui permettront effectivement de maintenir la rentabilité et le développement de ces entreprises de façon à continuer à faire leur mission première, à savoir le courrier, le lien entre les hommes et les peuples. La deuxième question pour les investissements. Alors le Maroc, comme vous le savez, est un des premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. On a fait beaucoup d'investissements que je ne citerai pas ici pour être concis. Mais il est certain que dans le domaine de la Poste, nous avons des relations anciennes entre nos institutions spécialisées dans le domaine. Il y a un contrat, il y a un accord de collaboration qui est signé, qui est acté depuis 2013, qui est opérationnel. Et nous avons des échanges réguliers entre Barid al-Maghreb et bien sûr la Poste de Côte d'Ivoire. Et ça se passe très bien au niveau technique, au niveau humain, etc. Donc, les relations sont là. Quant aux investissements stricto sensu, nous sommes disposés à regarder s'il y a des opportunités. Pourquoi pas? On est toujours ouvert aux opportunités que peuvent offrir nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, mais aussi le Maroc est aussi ouvert s'il y a des opportunités d'investissement vers le Maroc. Je pense que le Maroc est tout à fait ouvert également. Très bien. Question suivante de la presse. Allez-y. Bonjour, Excellence. C'est Pierre Ifès pour le site Info Ivoire Matin. Alors, je voulais savoir, après une semaine d'activité, quel bilan faites-vous des travaux, en fait? Quel est le bilan que vous faites après une semaine? Et puis, deuxième question, nous apprenons qu'il y a quelques difficultés entre pays africains et pays occidentaux au cours de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout d'abord, c'est un congrès qui se tient sur 3 semaines. Il serait prématuré de dresser un quelconque bilan quelques jours après l'ouverture, dans la même semaine de l'ouverture. Donc, je pense qu'il est prématuré de faire quelque bilan que ce soit pour l'instant. Aujourd'hui, les discussions avancent, les consensus se mettent en place, les travaux des commissions vont commencer très rapidement. Et je pense que les résultats escomptés de ce congrès, dans 3 semaines, vous seront présentés et les résultats vous seront certainement satisfaisants parce qu'il y a une volonté commune de tous les participants de réaliser donc les objectifs assignés, à savoir trouver une nouvelle feuille de route, une nouvelle vision pour la Poste du XXIe siècle
avec effectivement les problématiques liées au numérique, l'intégration des systèmes électroniques et l'amélioration des services dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. Alors, en attendant de redonner le micro à la salle, je voulais poser une question à son Excellence sur l'impact du COVID sur les activités de la poste marocaine, parce qu'on a vu que le pays avait été aussi très touché, et même si après, il y a eu une bonne réaction pour endiguer la pandémie au Maroc. Quel a été l'impact du corona sur les activités postales au Maroc? Alors, comme vous le savez, le monde entier est impacté par cette pandémie internationale COVID-19. Le Maroc ne fait pas l'exception. Dès le démarrage de la pandémie, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a tenu des réunions avec les plus hauts responsables du pays de façon à trouver les façons de faire face et surtout accompagner l'ensemble des couches sociales du pays de façon à ce que la souffrance sociale inhérente ou relative ou conséquente qui découle de cette crise soit la plus atténuée possible. Et la poste, Belid El Mghrib, la poste du Maroc, a joué un rôle fondamental parce qu'un fonds a été déployé de façon rapide qui a permis de subvenir, de donner des revenus aux gens qui n'en avaient pas. Et le canal qui a été utilisé, qui a été le plus efficace et le plus efficient, a été la poste, donc pour remettre les mandats, pour assister les personnes vulnérables économiquement à passer cette période de confinement qui a été absolument terrible pour tout le monde. Mais en tout cas, la poste a joué un rôle fondamental. Donc, le Covid a joué un rôle, la poste a joué un rôle pour atténuer la crise du Covid, mais le Covid aussi, la Covid a aussi permis à la poste de redéployer de nouveaux services, d'améliorer le e-government avec des partenariats avec les organismes étatiques. Et aujourd'hui, on peut se féliciter du rôle qu'a joué la poste du Maroc, le Belid El Mghrib, dans la crise du Covid et l'atténuation de ses effets. Excellence, plusieurs États membres soumissionnent un poste au Conseil d'exploitation postale, ainsi que dans les autres instances de l'UPU. Le Royaume du Maroc soutiendra-t-il ses candidatures au nom de la solidarité africaine? Le Maroc collabore et coopère avec l'ensemble de ses pays partenaires de l'UPU, mais en particulier avec les pays africains depuis très longtemps. Et nous sommes dans une démarche qui permet à l'ensemble de nos frères et sœurs africains de bénéficier de ces différentes opportunités. En tout cas, on est là, on est ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire, et je pense que l'issue du vote montrera que nous étions bien là. Alors, Excellence, Wilfried Dembélé, la voix de la diaspora. Tout à l'heure, je suivais par visioconférence les travaux, et il a été dit qu'il sera adopté la stratégie d'Abidjan. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelles sont les attentes, justement, de votre pays par rapport à cette stratégie d'Abidjan. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque congrès de l'UPU, c'est un congrès très important qui réunit plus de 100 pays du monde entier. Aujourd'hui, nous avons près de 100 pays en Côte d'Ivoire sur l'ensemble des membres qui sont de l'ordre de 194, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça permet à l'ensemble des nations de notre planète d'être présentes et de participer au développement de la stratégie. Donc, bien évidemment, les stratégies qui vont être développées s'articulent autour des moyens technologiques à donner aux différents pays pour pouvoir ou à développer en partenariat avec d'autres pays pour permettre l'acheminement des courriers dans de bonnes conditions, des colis, le développement de nouveaux services, développement d'une créativité accrue, innovation, intelligence artificielle, etc., qui permettra de développer encore davantage de services et de produits pour que les services de la poste soient performants et surtout accompagnent l'évolution du siècle, que ce soit en Afrique ou dans les pays plus avancés dans le terme technologique ou économique. Mais en tout cas, c'est un travail commun, planétaire, qui va se faire, bien sûr, avec des décisions qui seront prises à tous ces niveaux-là, et les pays comme les nôtres vont bénéficier effectivement de ce soutien pour aller de l'avant et développer davantage de services pour les populations et les différentes entreprises opérant sur les territoires nationaux. Bonjour, bonjour Excellence. Bonjour. Je suis Patrice Alegbe, journaliste à APA News. Le 27e congrès de l'UPU consacrera
le renouvellement des instances de l'organisation. Est-ce que le Maroc voilà, est candidat pour un poste? Et ensuite, et ce congrès tourne autour de la thématique de la digitalisation et du e-commerce. Est-ce que des timings ou des délais ont été arrêtés pour que voilà, les différents postes soient à un niveau de management digital? Merci. Le Maroc, comme je vous l'ai dit, participe à ce congrès de la poste universel. Pour donc apporter sa contribution aux différents débats qui vont avoir lieu, aux différentes élections qui vont avoir lieu. Mais comme j'ai dit encore, il est un peu prématuré de donner un petit peu le résultat des débats. Maintenant, vous avez parlé de postes avec une connotation digitale, c'est-à-dire la compétence des gens qui vont être candidats, est-ce qu'ils ont la compétence digitale pour accompagner ce développement? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Ou si je n'ai pas bien compris. Enlevez le masque, comme ça je comprends un peu mieux. Est-ce qu'il y a des délais qui ont été arrêtés pour que la poste soit à un niveau de management digital d'ici 4 ans? C'est la stratégie qui va être développée et adoptée par l'ensemble des pays, qui sera entérinée, que les pays membres devront mettre en œuvre, soit directement, soit en partenariat entre eux, comme il se doit. Donc voilà. Maintenant, pour les élections, on verra d'ici la fin du mois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours et on ne peut pas se prononcer là-dessus pour le moment. Larissa Baguidi du Rassemblement. Alors, Excellence, pour vous, quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique et au Maghreb? Merci. Merci Madame. L'avenir de la Poste en Afrique et au Maghreb en particulier, donc ce sont des développements du service classique dans de bonnes conditions logistiques et de rapidité, etc. Mais aussi le développement des activités dans le cadre du digital et de l'e-commerce. L'e-commerce et le digital, les services à valeur ajoutée pour les entreprises sont fondamentales pour accompagner le développement parce qu'il y a une baisse, comme vous le savez probablement, des courriers classiques au niveau du chiffre d'affaires global des institutions qui s'occupent de ce métier. Et il faut compenser ça par d'autres activités comme le e-commerce, les activités à valeur ajoutée avec les partenariats, etc. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, de permettre une évolution des différentes entreprises dans tous les pays, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de développement, pour accompagner cette visibilité, cette vision et cette démarche dans les années à venir. Donc, comme vous le savez, chaque congrès qui se passe sur 4 ans, donc c'est un cycle d'activité. Donc, chaque fois, le prochain congrès sera l'occasion de faire le point sur les avancées qui ont été réalisées. Je pense que l'avenir de la Poste est bon parce que le digital et tout ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années montre que l'avenir est là et c'est un service qui est vital pour l'économie, pour les échanges et pour les relations entre donc les pays, les entreprises et les différentes personnes. Une dernière question. Bonjour, Excellence. Eric Koulibaly de Cette Info. C'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure pendant vos réponses aux différentes questions, mais j'aimerais savoir l'expérience du Maroc dans la transformation digitale. Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la COVID, la Poste a permis de distribuer des aides aux familles démunies. Alors, vous voyez un peu l'état de la Poste en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous réussi? Partagez un peu votre expérience digitale. Comment avez-vous réussi à faire en sorte que la Poste puisse être pérenne au Maroc? Merci. Donc là, la Poste était une entreprise étatique jusqu'en 2010. En 2010, ça a été transformé en société anonyme à laquelle participe une entreprise étatique, mais de société anonyme, c'est-à-dire une entreprise qui a une vocation de travailler comme une entreprise privée, même si elle appartient totalement à l'État marocain. Donc voilà. Et donc, avec du management rajeuni, avec une vision qui a été bien sûr impulsée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour moderniser la Poste, aujourd'hui, Barid El Mghreb est une grande entreprise marocaine qui a, il y a la banque, il y a la logistique. Il y a un certain nombre de services. Tous les services ont été, si vous voulez, filialisés
pour permettre une concentration sur les métiers, parce que chaque métier est un métier à part entière, que ce soit l'acheminement du courrier ou la distribution, que ce soit la livraison de colis, que ce soit le développement digital, que ce soit les médias, parce que aussi, par exemple, je pense juste aux mailings qui se faisaient, soit sous forme digitale ou sous forme papier, c'est du marketing, donc c'est une entreprise à part. Donc, il y a plusieurs entreprises spécialisées qui gravitent autour de l'ensemble qu'on appelle la Poste au Maroc. Ce n'est pas une seule entreprise. Bien sûr, il y a la maison mère, mais aussi toutes les filiales avec des directeurs généraux, avec des ingénieurs, avec des spécialistes pour pouvoir développer les métiers. Parce que chacun de ces métiers est complémentaire et cohérent et va dans le sens de l'amélioration du service dans sa globalité. Donc, il est important de savoir qu'il faut filialiser les différentes entreprises selon les spécialités et avoir les bonnes ressources humaines. Dans tous les cas de figure, ça prend du temps. Nous, depuis 2010, donc nous avons ça, mais nous avions bien avant la Poste au Maroc qui évoluait bien. Mais depuis 2010, il y a une accélération majeure qui a été faite avec les services financiers, les services aux personnes, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut avoir une stratégie, une feuille de route et bien sûr les partenaires qui peuvent nous accompagner dans cette démarche. On a une avant-dernière question. Une autre. Pour la route. Alors, Excellence, je profite pour poser cette question. Le secteur postal au Maroc emploie combien de personnes et puis quelle est sa part dans le PIB? Alors, en termes de personnes, je crois que c'est autour de 10 000. Nous avons 10 000 personnes qui sont employées par la grande maison Valley du Mareb. Et nous avons une part du PIB, je crois que c'est le chiffre d'affaires de Valley du Mareb. 3 milliards de dirhams. Donc, c'est quand même quelque chose comme 300 millions d'euros, c'est pas mal. Et donc, pour le Maroc, c'est très bien et ça avance. Ça se développe d'année en année. Cette année, malgré la crise du Covid, je crois que les résultats sont encore mieux parce que les gens ont dû faire appel aux différents services de Bali de Maghreb, qui est la poste du Maroc, pour cette crise. Que ce soit même le e-commerce se développe de façon significative au Maroc. Et ça, c'est très important et la poste en bénéficie, bien évidemment. La dernière question de la conférence sera posée par notre collègue Zénat, qui avait promis à l'ambassadeur de l'interroger. Oui, en marge de ce congrès, je me permets de vous poser cette question, Excellence, parce que je connais un peu votre histoire et je sais que vous êtes dans une existence passée, vous êtes un ancien journaliste émérite. Et je voulais savoir si vous pouviez prodiguer à nos jeunes journalistes ici présents quelques conseils pour une carrière qui est certes difficile, mais passionnante. Si vous pouvez leur donner quelques conseils, ce serait une bonne chose. Pour qu'ils puissent, pourquoi pas, aller sur vos traces. Alors, bon, je n'ai jamais été un journaliste émérite, j'étais un amateur. J'écrivais quelques articles qui se sont avérés intéressants par la suite. Mais effectivement, c'est une question de travail permanent, de curiosité, d'aller chercher l'information, de mémoriser, de faire le lien entre les différents sujets, les différents événements, pour pouvoir analyser les choses correctement et pouvoir les articuler surtout à vos lecteurs de façon cohérente et claire. Parce que l'ensemble des lecteurs, etc., n'ont pas nécessairement la même acuité, si vous voulez, dans le sens connaissance des différents sujets. Donc, le journaliste est un transmetteur, quelqu'un qui transmet l'information en la structurant correctement pour pouvoir avoir. Donc, mais bon, il y a plusieurs sortes de journalisme. Il y a le journalisme d'investigation, le journalisme d'analyse, il y a le journalisme d'info de tous les jours. Et il s'agit à chaque moment, si vous voulez bien évidemment évoluer dans la carrière journaliste, qui est une carrière formidable. Moi, je n'ai jamais été vraiment journaliste professionnel. J'étais dans les affaires pendant longtemps et j'étais chroniqueur amateur, si vous voulez. Mais il s'est avéré que j'avais un talent certain, d'après ce que m'ont dit certains. Et donc, il s'agit d'être curieux. Moi, je suis curieux de tout. J'ai 58 ans, je suis encore curieux de tout. Je m'intéresse à tout. Il faut tout savoir, je veux tout savoir. Des fois, j'ai des problèmes avec ma femme qui me dit, bon, tu t'intéresses trop aux journaux. On parle de CNN, Al Jazeera, la RTI. Donc, on est dans l'information en permanence pour savoir exactement ce qui se passe et pouvoir faire les liens et avoir plusieurs facettes à l'information qui est nécessaire pour se faire sa propre idée. L'esprit critique,
d'analyse et bien sûr la transmission honnête, transparente vers le lecteur qui vous en sera reconnaissant. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Excellence, qui a donné un peu le triptyque de ce métier. Donc déjà la curiosité, avoir le sens critique et puis la fin, c'est quand même l'objectivité, c'est-à-dire rendre compte honnêtement de ce qu'on a vu ou entendu. Et je pense que tout à l'heure, vous le ferez. En tout cas, pour vos lecteurs, pour vos spectateurs ou téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous avez un dernier mot? Puisque vous avez commencé, il faut juste dire un dernier mot à l'attention de notre auditoire et de ceux qui nous regardent via le Zoom ou le site de l'UPU. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous pour vos questions qui, j'espère, ont été bien traitées. Et bon sommet, bon congrès de l'UPU à tous les participants. Et peut-être qu'on se reverra dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci.